Yes, let us pray. On va prier. Alléluia. Maintenant. Praise the Lord. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Jesus, Savior, Redeemer, Teacher, you are worthy to be praised. Notre Dieu, notre Sauveur, notre enseignant, tu es digne d'être élevé. Amen. We are here gathered to learn at your feet, just like Mary. Nous nous sommes rencontrés ici pour apprendre à tes pieds, tout comme Marie. Open our eyes of understanding to understand you. Ouvre notre compréhension spirituelle, nos yeux de compréhension spirituelle, pour que nous puissions te comprendre. Amen. Amen. Sweet Holy Spirit of the Living God. D'où Esprit Saint de Dieu vivant. We want you to teach us to the point of understanding. Enseigne-nous au point de la compréhension. And after today's teaching, that our life will never remain the same again. Et qu'après l'étude d'aujourd'hui, notre vie ne reste plus la même au nom de Jésus Nazareth. Amen. 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 In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 So we are still going to continue with the filling of the empty vessels. Puis donc nous allons continuer avec le remplissage des vases vides. Puis disait le commentaire vient, tu viens dans la chambre carrément. Our text is 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Notre texte est 2 Rois 4 versets 1 à 7. So I want us to read it again to refresh ourselves. Je voudrais qu'on lise encore pour nous rafraîchir. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. 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 So, Amen. The filling of the empty vessels. Donc, on va parler aujourd'hui du remplissage des vases vides. Like Elisha, we too, we are priests. We should be problem solvers. Comme Élisée, nous aussi sommes des prêtres. Nous devons être des gens qui résolvent les problèmes. Because we are disciples like the widow, we should know where to take our problems. Parce que nous sommes des disciples aussi, comme la veuve, nous devons savoir où amener nos problèmes. Just like the widow, we know there are times when situations will be very bad. But there is solution. Yes. Tout comme la veuve, nous savons qu'à des moments, les situations peuvent être très, très mauvaises, mais il y a toujours une solution. Amen. Amen. There are times when we will be in the valley, but the God of the mountain is still with us inside the valley. Il y a des moments aussi où on va se retrouver dans la vallée, mais le Dieu de la montagne est avec nous dans la vallée. Alléluia. At times, we will be in our night, but the God of the day is still with us. Amen. Il y a des moments aussi où on peut être dans la nuit, mais le Dieu de la journée, du jour, est avec nous aussi dans cette nuit-là. Alléluia. Amen. Amen. And we should realize that God is always ready to use what we have to give us what we need. Et amen. Et nous devons réaliser que Dieu est toujours prêt à nous donner ce dont nous avons besoin avec ce que nous on a. Il est toujours prêt à utiliser ce que nous on a pour nous donner ce dont on a besoin. Amen. Amen. The position we must reach as disciple is that we must be ready to release what we have to the hand of God, because when he's going to give us back, he will give us back much more than we give to him. Amen. Maintenant, la position dans laquelle nous devons être, c'est que nous devons nous rendre disponibles pour pouvoir donner ce que nous, on a à Dieu, pour que Dieu puisse l'utiliser pour nous donner ce dont on a besoin. Parce que quand il veut donner, il donne tout le temps abondamment. Amen. When you give God little oil, he will give you vessels of oil back. Quand tu donnes à Dieu un peu d'huile, il va te donner beaucoup de vases remplis d'huile. Amen. When you give God little flour, he will give you flour that you will eat until the time of plenty will come. Amen. Quand tu donnes à Dieu de la farine, Dieu va te donner assez de farine pour que tu manges jusqu'à ce que le temps de l'abondance arrive. If you release your 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, it will multiply it. It will feed over 5,000 people. Si tu donnes tes 2 morceaux de poisson et tes 5 morceaux de pain à Jésus, il va les multiplier pour que tu puisses nourrir au moins 5,000 avec. Amen. So tomorrow or today, when God will ask you to go and look for vessels, go straight to the factory where they make vessels and go and gather everything that is in their factory. Demain, si Dieu te dit chercher des vases vides et amène-les-moi, faut pas aller seulement chez les voisins, va directement à l'usine qui fabrique ces vases-là. Because if you gather small, you will get small. If you gather plenty, the plenty will be, because our God has unlimited supply. OK, parce que si tu rassembles un peu, c'est le peu que tu vas recevoir. Si tu envoies beaucoup, c'est aussi ce que tu as envoyé là que Dieu va remplir. Parce que notre Dieu a ses réservoirs là sont inépuisables. And when God wants to do miracle in your life, he will involve you. You will have a role to play. In every miracle that God wants to do in your life, you have a role to play. Amen. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va t'impliquer toujours dedans. Tu as toujours un rôle à jouer lorsque Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Amen. Your number one role is to obey instructions. Ton premier devoir, la première chose que tu dois faire, c'est d'obéir aux instructions. Go and gather, borrow empty vessels. Go and borrow plenty, unlimited empty vessels. Va emprunter une quantité illimitée de vases vides. When you bring empty vessels home, put it in your room according to instruction, lock the door and pour oil inside it. That's instruction. Quand tu vas venir avec les vases vides, va dans ta chambre, ferme ta porte et commence à verser l'huile. C'est ça aussi l'instruction. Amen. So locking the door is the attitude of prayer. Then pouring is the prayer. You are pouring out your heart to God. Donc, fermer la porte, c'est l'attitude de la prière. Maintenant, verser l'huile. Verser, c'est maintenant ton état d'âme pendant la prière. C'est la prière même que tu fais. Amen. Amen. So, the miracle of filling the empty vessels, you have role. Because God wants to fill our empty vessels, but you have role to play. Donc, le miracle de remplissage des vases vides implique aussi un rôle que tu dois jouer. Parce que Dieu veut remplir les vases vides, mais ces vases-là ont un rôle à jouer. Amen. Amen. You must make the vessels available. That's availability. You must be available. Tu dois rendre les vases disponibles. Ça, c'est la disponibilité. C'est la première chose. You must present the vessel empty. That is, you come to him, you empty everything that is not of God in you, you come to him empty because he wants to pour himself inside of you. He wants to fill you. You must come to him empty. Amen. Les vaisseaux sont vides, c'est-à-dire les vases sont vides, signifie que tu dois t'approcher à Dieu d'une façon vide. Tout ce que tu as là, tu dois avoir enlevé de toi quand tu t'approches vers Dieu. Tu dois être totalement vide. You must present this vessel open, open vessel. So there must be openness, that is, you must be open to God. Ok, il a dit aussi que les vases doivent être ouvertes. Les vases doivent être ouvertes. Ça signifie que tu dois être ouvert devant Dieu. Tu ne dois pas cacher de secret à Dieu. So, Amen. In this miracle, three responsibilities. You must be available, you must be empty, you must be open. Amen. Donc, dans le remplissage donc, des vases vides, les trois responsabilités que vous avez à faire, nous avons à faire, c'est d'abord d'être disponible, 1, numéro 2, être vide, et numéro 3, être ouvert. That availability is that you must be present with Jesus Christ, the miracle worker. Uh-huh. Maintenant, la disponibilité signifie que vous devez être présent avec Jésus-Christ, celui qui fait les miracles. You must develop intimacy with him. Tu dois développer une intimité, être intime avec lui, une relation très intime avec le Seigneur. You must be in fellowship with him. Tu dois avoir une relation de camaraderie avec lui. You must become his disciples that he will teach. Tu dois devenir un disciple qu'il va enseigner. When he has poured himself inside you through teaching, then he will now send you. Maintenant, quand il va se renverser lui-même, il va se mettre lui-même en toi. Par le truchement de l'enseignement, maintenant, il va t'envoyer. Your availability will bring your being loaded. And your being loaded will lead to your being sent. Donc, ta disponibilité va t'amener à être rempli de la parole, à être rempli de Jésus. Et maintenant, et ce remplissage va permettre à ce que le Seigneur t'envoie. I want us to read Mark 3:14. Mark 3:14. On va lire maintenant Marc 3:14. Marc 3:14. Oui, maman. Mm-hmm. Marc 3, verset 14. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. Amen. And he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach. Is that where he read? Mark 3:14. Yes, with us it is Mark 3:14 and 15. So, Mama, you should read Mark 3:14 and 15. Maman, c'est que tu dois lire. Marc 3:14 et 15. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Il en établit 12 pour les envoyer, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. So you can see that he called 12 of them, number one, to be with him first, available, to be with him first, so that they will be able to load them. Donc, la première chose qu'on voit, le Seigneur a choisi 12 pour être avec lui d'abord. C'est la première chose, pour être avec lui, afin qu'il puisse les remplir. Amen. So, after loading them with himself, the word, he will now send them so that they will have something they will give to the world. Donc, après les avoir remplis maintenant de la parole de Dieu, il va les envoyer maintenant dehors pour qu'ils puissent aussi aller nourrir le monde avec ce qu'eux ont reçu. Amen. Mm-hmm. God, Jesus Christ can call you that he wants to use you, but he cannot send you out without training you. There must be training, there must be loading, so that you have something to give to the world. Jésus-Christ peut t'appeler pour dire qu'il veut t'utiliser. Mais avant de t'utiliser, il doit t'entraîner. Donc, tu as besoin d'un entraînement avant d'être envoyé dehors dans le monde. Amen. So, while Jesus Christ was loading the disciples, then we asked them to go out and preach. They were doing practical. Go out and preach, then they will return and bring result. Donc, pendant que le Seigneur était en train de charger de connaissance de la parole de Dieu, les disciples, il les envoyait en entraînement ici et là. Il leur dit, OK, maintenant que vous avez reçu beaucoup, allez-y en entraînement, allez-y commencer pour enseigner les gens, ou bien délivrer les gens. Amen. So, when they go out, because they are going under training and brings report, they might say, oh, the devil was subject to us. They are happy. You will correct them. Donc, ça fait que quand ils partaient, ils s'en vont maintenant pour faire leur training, leur entraînement, et que les grandes choses se passaient, ils revenaient à Jésus. Ils disaient, waouh, j'étais tout excité. Même les démons fuient. Quand on commence à prêcher, ils fuient devant nous. Et Jésus s'arrête pour les décourager. Yes. He will tell them, calm down, you are under training. The demon respond to you and they bow for you. That's not the most important because they will bow for my name. You have mentioned my name. But the most important is that your name is written in the book in heaven. Et les dieux disaient, non, calmez-vous, calmez-vous. Ce que vous dites là, c'est tout à fait normal. Les démons vont fuir parce que vous avez mentionné mon nom. Mais ce n'est pas la chose qui est la plus importante. La chose la plus importante est que votre nom est écrit au ciel. Amen. But those who did not stay with Christ, making themselves available, when they do miracle in the name of Jesus Christ, they base all their ministry on this miracle, as if that is the end. But Jesus Christ said, no, don't rejoice about that. The most important thing is that your name is written in the book in heaven. Mais ceux qui ne se sont pas assis au pied de Jésus pour être enseignés, et quand ils font leur ministère et qu'il y a les miracles, automatiquement, ils mettent tout sur le miracle. Alors que le Seigneur Jésus a dit non, faut pas, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que votre nom se trouve dans le livre de vie. So what Jesus Christ was telling them there, you can do miracle and still not go to heaven. It's not everybody that does miracle that we have their name written in the book in heaven. That's the most important thing. Donc, ce que le Seigneur voulait qu'ils comprennent, c'est que tu peux faire des miracles et puis ne pas aller au ciel. Il y a beaucoup de personnes qui font des miracles, mais qui, qui ne vont pas au ciel, qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Que donc le plus important, c'est de se rassurer que son nom est dans le livre de vie. Amen. So, making yourself available is your duty to be able to receive your miracle. Pour te rendre disponible, c'est ton devoir afin que tu sois capable de faire le travail de Dieu. When Jesus Christ went to the house of Mary and Martha, you saw the example, what happened there. Quand Jésus-Christ est parti dans la maison de Marie et de Marc, vous avez vu l'exemple, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. The two of them welcomed Jesus Christ into the house very warmly. Oh, the master has come. We were very happy. Les deux ont accueilli chaleureusement Jésus-Christ. Marie, elle a accueilli Jésus-Christ avec chaleur, et aussi sa sœur Marthe a accueilli Jésus-Christ dans la maison avec beaucoup de chaleur. Martha started running around to prepare shamawa, to prepare tea, to prepare bread, to prepare different kind of brew and honey and everything to prepare for Jesus. And she was very busy, sweating. Et donc, mais automatiquement, Marie a commencé à courir un peu partout, à droite et à gauche, pour préparer de la nourriture, pour préparer du thé, du pain, du miel, des choses que le Seigneur va aimer. Elle était très, très occupée. That was what Martha was busy doing, preparing what Jesus Christ, to entertain Jesus Christ. Oui, en fait, je parlais de Marthe. Donc, c'est Marthe qui était très, très occupée. Ce qui était important pour elle, c'était d'entretenir Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'elle courait à droite et à gauche pour mettre toutes les choses en ordre pour lui. Immediately, Jesus Christ sat down. Mary just went to the feet of our Lord Jesus Christ and sat down by his feet. And Jesus Christ started teaching her, pouring himself into her. Quant à Marie, dès que Jésus-Christ est venu, elle a tout abandonné, elle a couru pour aller s'asseoir à son pied. À ses pieds, automatiquement, Jésus a commencé à se verser en elle. Jesus Christ will only pour himself into whosoever is available. Donc vous voyez, Jésus-Christ va se donner, il va se vider seulement à quelqu'un qui se rend disponible. And we are like the ministry of Paul, but when Paul was called, he did not do anything. He went to Arabia for 3 years, the school of the Holy Spirit, to be with Jesus. Available. Amen. C'est le cas de Paul. Quand Paul a été appelé, il n'a pas perdu son temps pour faire autre chose. Il est parti directement en Arabie pendant 3 ans pour être devant le Seigneur. But now, I want us to go to the next thing that we must do for our miracle. Maintenant, je voudrais que nous partons à la chose prochaine que nous devons faire pour notre miracle. That is Second Kings chapter 4 verse 3. 2 Rois 4, verset 3. 2 Rois 4, verset 3, maman. 2 Rois 4, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Amen. Okay, he said, then he said, Elisha told the woman, go, borrow the vessels abroad of all thy neighbors. All thy neighbors, go to their houses, and even empty vessels. Borrow not few, plenty. Empty, but they must be empty. Vous voyez, donc, Élie a dit, Élisée, il a dit à la dame, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Va chez tous les voisins. Va chercher des vases. Mais il a insisté sur le fait que la vase doit être vide. Ne prends pas des vases avec des choses dedans. Ça doit être des vases totalement vides. Amen. You can see that the woman can only fill empty vessels. As God, we all always fill empty vessels. Donc nous, vous voyons ici que la femme, elle ne peut remplir que des vases vides. Tout comme Dieu, il ne peut remplir qu'une vase vide. So if you see the ministry of Paul, you will see that Paul emptied himself so that Jesus Christ will fill him. Si tu veux voir le ministère de Paul, tu verras que Paul s'est vidé vraiment de tout ce qu'il connaissait avant, afin que Jésus-Christ puisse le remplir. Let's open to Philippians chapter 2, verse 7. Nous allons aller sur Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, verset 7. 7. Oui, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. You can see the example of Jesus Christ, how to empty ourselves, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. That's our Lord Jesus Christ that came from his glory in heaven. He emptied himself. He made himself of no reputation, that he has emptied himself. That's how to empty ourselves. Donc ça, c'est la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est rendu dépouillé. C'est la façon dont il s'est vidé de lui-même. Et alors qu'il est Dieu, il a quitté le ciel, il a tout abandonné là-bas et il est descendu. Il a fait comme si il a pris la forme d'un serviteur qui est devenu semblable même aux hommes. Il a fait comme s'il était un homme, alors que normalement, il est rempli de Dieu lui-même. Amen. You can see that those who are not ready to empty themselves, they are presenting themselves to the people that they are the Jesus. And when they do miracle, they puff up. They want to play God over the people. They are not ready. You will see pride. You will see so many things in them that these people are full. You say this man is full of himself. That is, he has not emptied himself. Amen. Donc, quand quelqu'un ne s'est pas assis au pied de Dieu pour se dépouiller de lui-même, de tout ce qu'il est, et quand ils vont commencer à faire des miracles, vous allez voir qu'ils vont devenir orgueilleux. Ils vont devenir orgueilleux, ils seront remplis d'eux-mêmes et ils ne seront pas dépouillés. Donc, normalement, ils doivent passer quelque temps avec le Seigneur Jésus avant d'aller faire ce travail. Amen. So, there are so many things we must look into in ourselves to see whether we have emptied ourselves. When we are proud, when we get angry very quick, we are full of ourselves. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons regarder pour savoir si on s'est réellement dépouillé ou pas. Que celui qui n'est pas dépouillé, quand tu t'examines normalement, un des signes que tu n'es pas réellement dépouillé, c'est l'orgueil. L'orgueil, tu es rempli de toi-même. Yes. When we want people to fear us, instead of fearing God, we are full of ourselves. We have not emptied ourselves. Donc si au lieu de craindre Dieu, tu es orgueilleux, tu es rempli de toi-même, tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore vidé. And God is not ready to fill vessels that is filled up already. The vessel must be empty, then it will pour inside of the vessel, empty vessel. Et Dieu n'est pas prêt à remplir une vase qui est déjà remplie. Et que la vase doit être totalement vide avant que Jésus puisse remplir cette vase. Donc si tu es rempli de toi-même, Jésus ne peut pas rentrer en toi. Amen. You want your vessels to be filled, then you must take it to the Lord empty. You must present yourself empty. Si tu veux que toi, en tant que vase, tu sois réellement vide, alors présente-toi à Dieu comme quelqu'un qui est vide. So I want us to read Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Philippians chapter 3, verse 7 and 8. We are still in Philippians. Nous allons lire maintenant Philippiens 3, 7 et 8. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Can you see how Paul emptied himself? Here, he said, but what things were gained to me, those I counted loss. Donc, vous voyez ici comment Paul s'est dépouillé. Loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered. Everything I do count them, but win Christ. Everything I've poured out, so I'm empty, so that I may win Christ. That is, Christ be loaded in me, empty vessel. Amen. Donc, Paul, bien qu'il était incirconcis, bien qu'il est de la race d'Israël, de la tribu même de Benjamin, un Hébreu, amen, et avec rempli de zèle pour l'Église et irréprochable par rapport à la loi de Dieu, toutes ces grandes choses qu'il a, que normalement il pouvait prendre pour pouvoir se vanter, pour être orgueilleux, il a décidé de se vider de tout cela. Il s'est dépouillé de tout cela. Pourquoi? Selon le verset 7, il s'est dépouillé de tout cela à cause de Christ. Amen. Pour pouvoir avoir la connaissance de Christ. Il s'est vidé de tout ce que lui-même il était, toutes les connaissances qu'il avait, afin de pouvoir recevoir Christ. Amen. Oh, we can. There are so many things that can fill us up. We can be filled with self-righteousness or pride. Donc, nous, on peut être rempli de beaucoup de choses. On peut être rempli de self-righteousness, ça veut dire que la fierté, l'orgueil. Mm-hmm. Yes. Oui. Mm-hmm. Parce qu'on pense que c'est ce que nous on fait. Exaltation and achievement, that our achievement, we just fill with our achievement and self-exaltation. On peut être rempli orgueilleux à cause des choses qu'on a pu accomplir pour Dieu, et donc on s'exalte nous-mêmes. Mm-hmm. Where we can be filled with some glory that we are enjoying, or gold, or silver, prosperity, abundance can fill us up. La prospérité peut nous remplir, l'exaltation de soi à cause de l'argent qu'on a, la richesse et autres, tout ça, ça peut nous remplir. C'est de l'orgueil. Mm-hmm. We can be everything, want to copy what is going on in the world. That's fill us up. That worldliness, want to do like the world. On peut être rempli dans le sens où on veut faire les choses comme le monde. Vivre selon la chair. Tout cela, ça nous remplit. Amen. Putting the things of the world above God, the fashion, all the enjoyment of the world. Mettant les choses du monde, les choses de la chair avant les choses de Dieu. Yeah. We can be filled with our possession. Our possession might be so precious in our eyes. On peut être rempli de nos possessions. ce qui nous appartient, l'argent, les maisons, les bijoux, tout ça là, on peut considérer, ça peut nous rendre remplis quoi, orgueilleux. Et on met cela devant les choses de Dieu. At times you might be dressing moderately, which the Bible recommended, but you can still be worldly. Maybe be feel like you are dressing well, but you are jealous. Amen. Souvent aussi, certaines personnes aussi vont être, leur orgueil, c'est que bien qu'ils s'habillent de façon modeste, ils sont remplis de jalousie, de mauvais caractère. Amen. We can be filled with envy, anger. On peut être rempli d'envie et de colère. And if we went to school very well, we can be filled with our qualifications or titles. I'm bishop, I'm a senior apostle, I'm senior pastor, and PhD, and all those things. We can be filled with all those things. Et si on est parti à l'école très bien, on peut être orgueilleux à cause du titre, de nos qualifications, de nos degrés que nous avons eus, les diplômes que nous avons eus. Et on peut dire, ah, je suis révérend, je suis bishop, je suis celle qui est, comment on appelle ça, qui est élevée à cause de la connaissance que tu as. You must practice emptiness. Tu dois pratiquer. To time. Just empty yourself from time to time. Believe that I am nothing before you. On my own, I can do nothing. You are emptying yourself before God. Tu dois pratiquer le dépouillement devant Dieu. Venir devant Dieu pour lui faire comprendre, je ne suis rien devant toi. Amen. And when you empty yourself, you say, Lord, except you build me up, I cannot build myself. Lord, I am empty without you. Lord, I am nothing without you. Lord, I am dead without you. You are emptying yourself. Une façon de se rendre vide devant Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne suis absolument rien. Je me sens vide sans toi. Je me sens incapable de faire quoi que ce soit sans toi. Et c'est comme ça on parle à Dieu, humblement. You are emptying yourself when you say, oh, what do I have that I have not received from you? Lord, you are the one that has given the cloth that I wear. You are the one that gave me the food that I ate. You are the one that gave me. Not by my own power. You are trying to empty yourself. Ok, tu dois dire au Seigneur aussi, oh Seigneur, qui suis sans toi? Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi? Je ne suis absolument rien. Même la nourriture que je gagne là, c'est à partir de toi que je gagne. Ce que je porte, c'est à partir de toi. Donc, allez vraiment se dépouiller de cette façon à Dieu, devant Dieu. Yes. So many people, by the time they read the Bible, they say, oh, this is a familiar portion in the Bible. I know it very well. If I can recite it, they are filled with themselves. They have not emptied themselves. Certaines personnes qui ne sont pas dépouillées réellement, qui ne sont pas humbles, ils vont dire, quand on veut leur parler d'une partie de la Bible, ils vont dire, mais cette partie de la Bible, là, je connais ça par cœur, commencer à réciter. Bien aimé, ces personnes-là sont remplies d'elles-mêmes. Even if you can read our Father who art in heaven of art, if you are going there every day, when you empty yourself, God will continue to reveal to you new things in that Bible that you know very well. Every day you will receive new things. Every day you will receive, if you go empty. Amen. Alors que si tu te présentes devant le Seigneur vide, tu te présentes devant le Seigneur humble, tu te présentes devant le Seigneur dépouillé, chaque jour, les mêmes passages de la Bible, là, le Seigneur va te montrer quelque chose de nouveau. Amen. So any day you are tempted to say, oh, let us read a familiar passage in the Bible. You are full of yourself. There is no portion in the Bible that is familiar. Donc, chaque fois que tu es tenté de dire, oh, lisons une partie familiale, une partie que j'ai l'habitude de lire quoi, dans la Bible. Il dit non, ça veut dire que tu es orgueilleux. Parce qu'il n'y a pas une seule partie de la Bible que tu vas regarder pour dire, ça là, je comprends, je maîtrise. Non. So each day when you open the Bible is open for that day. That portion you open is for that day. Once you finish reading, it closes for that day. The next day when you open, if it's the same portion, it's opening for that day. When you finish reading, it closes for that day. So every day, so you go, you approach every day empty. Donc, quand tu prends la parole de Dieu et que tu ouvres sur une page, ce que tu as ouvert là, c'est pour ce jour-là que tu as ouvert, que tu es en train de lire, c'est pour ce jour-là, ce moment-là. Et quand tu fermes, tu as fermé pour ce moment. Le lendemain, si tu ouvres la Bible à la même partie encore, c'est encore quelque chose de nouveau pour ce cet jour. Et quand tu fermes encore, c'est de la même façon pour ce jour que tu as fermé. Donc, ce que tu as fait hier, ce que tu as appris hier, ce n'est pas ce que tu vas connaître aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que tu dois venir tous les jours, chaque jour devant le Seigneur, vide. Amen. So, when you empty yourself of the past, you will receive new. Donc, quand tu te vides du passé, tu vas recevoir de nouveau. So, individually now, it's the Holy Spirit that will show you what to empty inside of yourself. He will tell you, this thing is garbage. Throw it away. This thing is not good. Throw it away. This thing is pride. Throw it away. The Holy Spirit will tell you, will show you. Donc, individuellement, c'est l'Esprit de Dieu qui va te montrer comment tu dois te vider. C'est lui qui te connaît et il va dire que ah, ce que tu fais là, ce que tu penses là, c'est l'orgueil, il faut jeter. Cette chose-là, cette autre chose-là, c'est l'envie, il faut jeter. L'autre chose-là, c'est la méchanceté, il faut jeter. C'est l'Esprit de Dieu seul qui fait ce travail. Amen. So, in the miracle of that widow and the two sons, we have seen that they played important role in their own miracle. Donc, nous avons vu que dans le miracle que le Seigneur a fait à la veuve et ses deux enfants, nous avons vu que eux, ils ont joué un rôle dans ce miracle. Amen. They made the vessels available. Ils sont venus avec les vases vides. Ils les ont rendus disponibles. And they make sure that the vessels are empty. Ils se sont rassurés aussi que ces vases-là sont vides. And it's the only empty vessel that will be filled up. Et c'est seulement les vaisseaux vides, c'est seulement les instruments vides, les récipients vides qu'on peut remplir. On Monday, we are going to go to the third one, openness. Donc, lundi, nous allons parler de la troisième partie, le fait qu'on doit être ouvert au Seigneur. On ne doit rien lui cacher. But it is very important to know that we are the vessel that the Bible is talking about. You and myself, we are the vessels for God. Il est très important que nous comprenions que nous sommes les vases dont la Bible parle. Vous et moi, nous sommes les vases. When we purge ourselves, then we become empty and be able to present ourselves to be filled by God. Okay. Donc, quand on se purifie, on enlève tout de nous, alors on est capable maintenant d'être vide pour être devant Dieu, pour que Dieu puisse nous remplir de lui-même. So, we have two important things that we have learned, availability and emptiness. Donc, aujourd'hui, nous avons appris deux choses importantes, la disponibilité et le dépouillement. The more you empty yourself, the more humble you become. Very humble. Le plus tu te dépouilles intérieurement, le plus tu deviens humble. Très humble. And the more God will be ready to use you. Miracle, your miracle will come. Et le plus, Dieu sera prêt à t'utiliser et les miracles vont arriver, vont se réaliser. So, we are going to pray concerning this emptiness now that we have learned. We have prayed with availability on Monday. We are going to pray with emptiness now. On a prié sur la disponibilité la dernière fois et aujourd'hui, on va prier sur le dépouillement intérieur, l'humilité, en fait. Amen. 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 Okay. And these scriptures, you will continue to remember them so that every day you use them to empty yourself. Donc, ces versets bibliques, tu vas continuer à te rappeler ces choses-là pour que chaque jour, tu fasses un travail de dépouillement intérieur. Amen. Okay. Because Jesus Christ himself, in John 15, verse 5, John 15, verse 5. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Jean 15. Verset 5. Verset 5. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. So, sir, without me, ye can do nothing. That is, without Jesus, we can do nothing. Amen. Donc, ce verset-là dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui signifie, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mm-hmm. Open to the same John chapter 5, verse 30. You now see what Jesus Christ said there. Then we are going to pray. John 5, verse 30. Nous allons ouvrir la Bible sur Jean 5, verset 30. Et nous allons voir ce que le Seigneur Jésus a dit. Jean 5, verset 30. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. That's our Lord Jesus Christ himself, the Lord of hosts. He said, I can of my own self do nothing. I can of my own self do nothing. Can you see how Jesus Christ lived the life of somebody who emptied himself? I can of my own do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. What a way to live the life of emptying oneself. Amen. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Absolument rien. Donc, voyez comment lui-même, il s'est dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé intérieurement. Amen. Il était humble. Et il a dit que ce que lui l'entend, selon ce qu'il entend, c'est ce que c'est comme ça, il juge. Amen. Et que lui ne cherche pas sa volonté. Amen. Il ne fait rien de lui-même. Il fait seulement la volonté de celui qui l'envoie. We are going to pray that Lord Jesus Christ, I want progress in my home. On my own, I can do nothing. I want progress in my ministry. On my own, I can do nothing. I want improvement in my finances. On my own, I can do nothing. So in every area that where we want God's intervention, let's tell him on our own, we can do nothing. So we are going to do, Jesus Christ said, on my own, I can do nothing. So that is, we are telling him we have no power of our own. Let's pray now. Donc on va dire, Seigneur, Amen. Je veux être élevé dans ma maison, mais de moi-même, je ne peux rien faire. Je veux augmenter dans mon ministère, mais de moi-même, je ne peux rien faire. Je veux avoir de l'évolution dans mes finances, mais de moi-même, je ne peux rien faire. Amen. C'est une façon de lui dire, Seigneur, on ne fait rien de nous-mêmes et qu'on a besoin de lui. Amen. Let's begin to tell God on our own we can do nothing. Oh, concerning the matter of our children, on our own. Seigneur, je me te célèbre, mon âme te célèbre, mon puissant de Jésus. Père éternel, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je te prie, ô éternel des armées, viens à moi en aide, ô éternel des armées. J'ai besoin de changer. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas y arriver, ô éternel des armées. Transforme-moi, viens, Seigneur. Donc, je veux faire un business. Mais sans toi, je ne peux pas le faire, papa. Sois avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux que ma vie change, ô éternel des armées. Que la vie de mes enfants change, papa, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mais sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Affermis ma foi, Seigneur Jésus. Mais sans toi, je ne peux rien, ô éternel des armées. Papa, je veux te chercher. Cherche-toi dans ta parole, lire ta parole. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus Christ. Aide-moi. Pas au nom de Jésus. Car sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, je ne suis rien, ô éternel des armées. Aide-moi, ô éternel des armées. Je veux changer ma vie. Changer ma vie spirituelle. Aller de l'élévation de ma vie spirituelle. Mais sans toi, je n'y arrive pas. Sans toi, je ne peux pas. Seul, je ne peux pas, Seigneur. Seul, je ne peux pas. Je veux aller d'élévation en élévation, ô éternel. Mais seul, je ne vais pas y arriver. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. We are going to open to James 1:17, and we are going to pray with that too. That's prayer of emptiness, to empty ourselves. James 1:17. Sur Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. OK. Jacques 5, au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Elle était un homme de la même... Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Yes, Pastor. So, the president of America cannot give us good gift or perfect gift. Okay, donc même le président de l'Amérique ne peut pas nous donner de bons cadeaux, des cadeaux parfaits. Pastor, what verse did we read? James 1:17. We read the wrong one. C'est Jacques. You read the wrong one. I call 1:17 now. Yeah, Jacques. I didn't hear it well. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. So, you can now see either you are talking of good gift or perfect gift. No human being can give you except coming from God. Amen. Donc, nous venons de voir que quand on parle de bons cadeaux, de bons dons et de dons parfaits, personne ne peut nous donner cela. Cela ne peut venir que de Dieu. Amen. So it's our God who doesn't change. He has no variableness. When he wants to give you, he gives it to you. And when he gives it to you, they are good and they are perfect. Amen. Comme les bonnes choses sont avec lui, quand il veut te les donner, il te les donne. Et quand il te les donne, c'est toujours bon et c'est parfait. Amen. Hallelujah. So Amen. The prayer we are praying now is that, Lord, no human being can give me good and perfect gift. It is you. Lord, this is what I desire. No president can give me good and perfect gift. No neighbor can give me good and perfect gift, except from you. Lord, that is what I desire. this hour, let's turn it to prayer. Amen. Donc nous avons dit, Seigneur éternel, personne ne peut nous donner un don parfait et une grâce excellente. Tout cela ne vient que de toi. Le président des États-Unis ne peut pas me donner quelque chose d'excellent, quelque chose de parfait. Mes connaissances, mes parents ne peuvent pas. Toutes ces choses ne viennent que de toi. Et c'est de ce que je désire aujourd'hui. Je veux avoir la grâce excellente et je veux avoir des dons parfaits venant de toi. Alléluia. C'est le point de Ô tendre Père, Dieu de gloire et de miséricorde éternelle des armées, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ, mon Papa. Et je te prie, ô éternel des armées, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Papa, qui peut me donner un don parfait, un don excellent venant de toi, une grâce parfaite, un don parfait, excellent venant de toi. Il n'y a que toi seul, Père, au nom du sang de Jésus-Christ. Il n'y a que toi, ô éternel de l'armée, qui puisse me donner une grâce parfaite, une grâce excellente. Il n'y a personne sur cette terre, ô éternel des armées, qui peut me donner l'excellence, de la grâce dont j'ai besoin, ô éternel des armées. Et c'est ce que je désire maintenant. Je viens devant ta sainte face. Je me tiens dans le centre de Jésus-Christ et je te demande, ô tendre Père, de me donner une grâce parfaite. Donne-moi des excellents cadeaux venant de toi, comme toi seul tu sais le donner, car c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Une grâce parfaite et excellente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, change-moi et donne-moi une grâce parfaite, ô éternel des armes. Je veux mieux te connaître, aller d'élévation en élévation. Et sans toi, je ne peux y arriver, Seigneur. Seul, je ne peux pas y arriver, Seigneur. C'est toi seul qui peux me donner une grâce parfaite, une grâce excellente et parfaite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux rien faire toute seule. Père éternel, je ne suis pas apte à le faire toute seule. Je ne peux pas le faire, Seigneur. Et je demande ton aide. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Aide-moi à me débarrasser de tout esprit de distraction. Aide-moi, éternel des armées, à me débarrasser de tout ce qui m'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jesus mighty name. Amen. Amen. We are going to pray. Say the Bible says we are going to use Hebrews 3:4 now. Hebrews 3:4. Maintenant, nous allons prier avec Hébreux 3, verset 4. Hébreux 3, Amen. Verset 4. Hebrews 3:4. Hébreux 3, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. 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 Every house is built by some man, but he that build all things is God. It's God that build. You can build plenty of houses and all good, but those houses will be nothing except God who builds all things. Build it. Except God who builds all things, build our children. We still continue to worry about them. They still give us problem. So because the builder of all things, we want him to build our home, build our children, build our college, build our business, build our finances. He's the builder of all things. Amen. Donc, comme la parole de Dieu dit ici, que chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a construit toutes choses. Donc, une maison qui n'est pas construite par Dieu, ça ne peut aller nulle part. Si tes enfants n'ont pas été construits par Dieu, ça ne peut aller nulle part. Ni tes finances, ni ton appel, ni ton ministère. Donc, nous allons transformer ça encore en prière, que le Seigneur Jésus lui-même vienne construire nos enfants, qui vienne les élever, qui vienne construire nos foyers, nos maisons, notre appel, notre ministère, nos finances et tout ce qui est lié à nous. Au nom de Jésus. Alléluia. So we are going to pray now. Let him build us up. You are the builder of one thing. You are the builder of one thing. College. You are the builder of one thing. Build my home. You are the builder of one thing. Build our family. You are the builder of one thing. Build our future. You are the builder of one thing. Build our home. You are the builder of one thing. Build our family. J'ai besoin de toi dans ma vie, ô Éternel des armées. Sois l'entrepreneur de ma maison, sois le constructeur de ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens construire ma vie. Construis ma vie, Seigneur. Construis ma vie, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi, ô Éternel des armées. Construis ma vie. Construis la vie de chacun de mes enfants, ô Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Construis ma vie. Ô Éternel des armées, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, ô Seigneur Jésus, viens à mon aide et aide-moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Conduis-moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Blessed be your holy name. Aide-moi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, construis ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. We are going to pray. We want increase. Everybody wants increase. In whatsoever you do, you want increase. You want to increase in ministry, in finances, in family, in every area. We want increase. Even in our preparation for the second coming of our Lord Jesus Christ, we want increase. Even in the church in Benin Republic, we want increase. So every area, we want to increase. Increase. Amen. Donc, bien-aimés, nous tous, on veut augmenter. On veut être élevé dans tout ce qu'on fait. Alléluia. On veut que nos enfants augmentent. On veut que nos maisons augmentent, que notre foyer, les choses augmentent. Notre appel, même au monde. On veut que l'Église aussi augmente. On veut que dans notre préparation pour l'arrivée de Jésus, nous voulons augmenter, nous voulons grandir dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur vienne nous faire grâce. Amen. So, our prayer now, 1 Corinthians 3:6. Notre prière, c'est 1 Corinthiens 3:6. Corinthiens 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Amen. I have planted. Good. That's a good labor. Apollo's water. Good. That's good labor. But God gave the increase. So that is where it's not the planting of Paul. It's not the watering of Apollo that matters. But God that gives increase. That's where our emptiness comes. We are empty without God bringing increase. Amen. Nous sommes vides tant que Dieu ne vient pas nous faire croître, tant que Dieu ne vient pas envoyer l'augmentation. Vous voyez, le verset l'a dit, j'ai planté, oui, voilà planté, c'est un bon travail qu'il a fait. Apollo a arrosé, oui, c'est un bon travail qu'il a fait. Mais ça ne peut pas croître si ce n'est pas Dieu. Donc, planter et puis arroser, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est Dieu qui fait croître. Donc, nous allons prier, demander à Dieu de venir nous faire grandir, de venir nous faire croître dans tous les domaines de nos vies. Amen. Amen. You have trained your children. You are praying for your children. It's God's answer that will bring increase. It's not you that is praying. It's not you that has trained the children. You have trained your children. You have prayed for your children. It's God who answers the prayer that will bring increase and will bring your result. It's Amen. Not you that because you know how to pray. It's not because you know how to sponsor your children in school. Donc, tu as élevé tes enfants. Tu pries pour tes enfants et tu élèves tes enfants. Mais la réponse à tes prières, là, c'est Dieu qui envoie. Donc, ce n'est pas parce que tu sais prier ou parce que tu sais élever tes enfants qu'ils ont pu obtenir quelque chose dans la vie. C'est Dieu, c'est lui qui a envoyé l'augmentation, c'est lui qui a envoyé la réponse de la prière. Donc, c'est lui qui est le plus important. Pas toi, pas ce que tu fais. Amen. So when Amen. God brings that increase for the children, I use that one as an example. The children will be blessed and they will be blessed to you. When Amen. The children will be increased, that they will breathe on you. They will give to you. You can now see it's what God only can do. Can do. It's himself with low can do it at that. Donc, si tu les as plantés, ça veut dire que si tu les as élevés et tout, que l'augmentation de Dieu arrive, que Dieu les fait croire comme il veut. Les enfants seront de bons enfants, ils vont te donner, ils vont te bénir, ils vont s'occuper de toi. Et donc, ce qui est important, c'est ce que Dieu fait, c'est la réponse à la prière. Ce n'est pas la prière qu'on fait, ce n'est pas c'est pas le travail que nous on fait. Tout comme Paul a planté, ce n'est pas mauvais de bien travailler. Si on doit bien travailler, Apollo doit arroser aussi. On doit faire ces travaux-là. Mais ce qui est important, c'est la réponse que Dieu donne. Et cela se verra lorsque les enfants vont commencer à vous donner, à prendre soin de vous. Amen. So let's pray. Amen. Lord, my planting in ministry, in my family, my watering in ministry, in my family, Lord, bring increase. Lord, where I have planted, where I have watered, bring increase. Either in the life of people, oh Lord, bring increase. Either in my family, Lord, bring increase. Increase we are praying for now. We are not, we can plant, we can water, but we cannot bring increase. Only God can bring increase. Lord, bring increase in my labor, bring increase in my home, bring increase upon my children, bring increase in my ministry, bring increase. Let's pray. Donc nous allons venir à Dieu et nous allons dire, Seigneur mon Dieu, ce que j'ai planté dans ma maison, ce que j'ai planté dans mon ministère, ce que j'ai planté dans mon foyer. Maintenant, je vais te demander, papa, de le faire croître. Envoie maintenant la bénédiction. Fais-les croître, fais-les grandir maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Fais grandir maintenant mes enfants. Ce que j'ai planté dans mes enfants. Seigneur, fais que ça produise du fruit. Oh, Father, in the mighty name of Jesus Christ. J'ai planté tout cela dans le cœur de mes enfants, mes Seigneur, c'est à toi de le faire croître, Père éternel. Car tout vient de toi et de ta main, car le pouvoir d'action devient la ferveur de Dieu. J'aimerais à ne pas être méchant, à ne pas être rencardé, à ne pas faire du mal au Éternel des armées. C'est maintenant, papa, ô Éternel, fais croître cela au nom de Jésus-Christ. Fais-les croire au Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-les croître, papa, au nom de Jésus-Christ. Fais-les croître, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-les croître, papa. Fais-les croître, ô Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-les croître au Éternel des armées. J'ai mis ces enfants au monde, au Éternel des armées. Mais fais-les croître, c'est toi qui peux les faire croître. Je les ai plantés, je les ai arrosés, mais la croissance vient de toi, au Éternel des armées. Fais-les croître au Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, fais croître ma foi, affirme ma foi, fais croître ma foi, au Éternel des armées. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Ne me détourne pas, ne détourne pas de moi. Qu'il soit ma main au Seigneur Jésus et qu'on au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Let somebody pray for us. We are free. Ô tendre Père, Dieu de gloire et de miséricorde, Papa, nous te disons merci. Merci pour toutes les grâces que tu nous donnes depuis ce jour, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, Papa. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as mis sur nos routes. Merci pour tout ce que tu nous as fait connaître, ô Éternel des armées, car nous sommes venus apprendre à tes pieds. Merci pour la révélation que tu nous as accordée aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous te prions. Nous prenons toutes les intentions de prière, toutes nos requêtes de prière. Nous les plantons, nous les mettons dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous plongeons aussi toutes nos réponses, car Père, nous avons l'assurance que tu nous as exaucés. Papa, sois élevé, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, aide-nous, Papa, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien et sans toi, nous ne sommes rien. Viens à notre secours, ô Éternel des armées. Affermis notre foi. Affermis notre foi, ô Père éternel. Donne-nous d'avoir la force et le courage de pouvoir garder notre foi jusqu'à ton retour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses nous trouver dignes, dignes de recevoir la couronne de gloire, ô Éternel des armées. Conduis-nous dans ta présence, ô Éternel. À toi seul, la louange, l'honneur, la puissance, l'adoration, la force, au siècle des siècles. Papa, nous te disons merci. Merci, ô Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you. Okay. Thank you. Amen. We need Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor. Au revoir. God bless you. Au revoir. Seigneur.